Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un tool qui va vous permettre d'installer vos drivers de tous vos téléphones. Si tu es un débutant, tu viens de commencer sur la GSM et tu ne connais pas comment installer les pilotes afin de débloquer tes téléphones, voici la solution pour toi. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin afin d'avoir la solution à des problèmes des pilotes de ta machine. Ou bien, si tu veux débloquer les téléphones et que les logiciels n'y supportent pas, ne détectent pas le téléphone, cette méthode va te permettre à être à jour avec tous les drivers, donc tous les pilotes des téléphones sur ton ordinateur. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. On va d'abord commencer. La première des choses qu'on va faire, on va fermer ça. Allez. On va fermer ça. On va venir sur ma page. Je vais vous laisser derrière le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez venir ici en bas. Vous allez descendre jusqu'en bas. Vous allez entrer ici. Comme vous voyez, le passcode, c'est ça. J'ai pas caché le mot de passe. Donc, on va appuyer sur télécharger. Quand vous allez appuyer sur télécharger, ça va vous amener sur la page Mediafire. Vous allez juste appuyer sur download. Bon, moi, j'ai déjà téléchargé. Comme vous voyez, vous allez juste appuyer sur download. Ça va directement télécharger votre application. Donc moi, j'ai déjà téléchargé celle là. Comme vous voyez, c'est la même chose. Je vais juste décompresser le logiciel. Donc, je vais décompresser le logiciel rapidement qu'on va extraire vers pour que ça puisse sortir directement avec. Ça me demande le mot de passe. Bon, c'est pas grave. Ça me demande le mot de passe. Je vais fermer. Et regardez bien si c'est la solution. Je vais entrer là. Donc, disons, vous pouvez venir sur le site, mais vous pouvez aussi rentrer là. C'est la même chose. Vous allez juste copier. Faites un copier. Vous allez prendre le dossier là et vous allez déposer dehors. Vous allez juste coller le mot de passe. C'est très simple. Vous allez coller le mot de passe, appuyer sur OK. Voilà. Il est en train de faire l'extraction de mon dossier. On attend que ça finisse. Par contre, laissez-moi déjà un like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous regardez ma vidéo pour la première fois, dans cette chaîne, j'ai fait des vidéos sur les déblocages des téléphones et les tools gratuits. N'oubliez pas de vous abonner si vous vous intéressez à la GSM, qui est le Global System Mobile, donc le déblocage des téléphones. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce, ça me fait plaisir et ça va montrer à YouTube. Donc, ça va dire à YouTube d'aller aussi montrer cette vidéo à des autres personnes qui ont le même problème que toi. Donc, il est en train de faire l'extraction, on attend l'extraction puisse finir, on va aller. Donc là, ça vient de finir l'extraction. L'extraction vient de finir. Ce qu'on doit faire, on va réduire la page. Voici le dossier qu'on vient de extraire. On va le faire passer ici. Comme vous voyez ici, on a le fichier Marvel SP Driver version 3. On va double-cliquer. Vous n'avez pas besoin de désactiver vos antivirus patati patata là. Vous n'avez pas besoin de désactiver ça. Donc vous allez juste exécuter, attendre le logiciel puisse apparaître. Voici le logiciel. Ce que vous devez savoir, c'est quoi ici. Vous avez le virtuel C++. Vous allez d'abord cocher tout ça. Voyez, non? Ici, déjà, en premier, on a le Nokia Driver Serial Port. On a le Apple Driver. Donc, pour tous vos drivers Apple. Donc, pour tous les téléphones iPhone. Ici, vous avez la possibilité d'installer ça. Donc, on a le SPD. Donc, ici, c'est pour faire les opérations avancées pour le SPD. Si vous voulez faire le factory reset et le FRP reset, ici c'est pour le TP, pour les Huawei. Si vous voulez faire le test point, vous allez cocher cela. Maintenant, en bref, vous avez les Qualcomm. Donc, il y a plusieurs, comme vous voyez ici, il y a plusieurs drivers très importants que vous devez installer dans votre machine. Donc, en gros, vous allez juste appuyer sur Select All. Donc, en français, sélectionner tout. Quand vous allez sélectionner tout, vous allez maintenant appuyer sur Install Select Driver. Donc, installer les driver sélectionné. Quand vous allez appuyer sur installer les drivers sélectionnés, ça va commencer à installer tous les drivers. Donc ça va prendre un peu du temps. Comme vous voyez ici, commence par le premier, comme vous voyez. Bon, moi j'ai déjà tout. Sinon, si je installe encore, ça va faire confusion des pilotes. C'est pas trop bon. Déjà, comme vous voyez, si vous branchez le câble USB, la machine devient bleue. C'est la confusion des pilotes. Donc ici, on va appuyer sur stopper. Cette méthode-là, vous allez juste sélectionner les pilotes qui vous manquent. Si vous n'avez pas de pilotes, aucun pilote installé dans votre machine, c'est là où vous allez installer tous les pilotes. Si vous avez le pilote, exemple, vous avez le SPD driver dans votre machine,
ou bien le Oppo Drive MTK de votre machine, vous redoublez encore de l'installer, ça cause problème. Donc, faut faire très attention avec les pilotes. Si vous avez déjà installé, c'est bon déjà. Vous avez déjà installé. Si vous voulez installer encore une autre, désactivez d'abord l'ancien et activez encore une autre. C'est tout. Et j'étais un peu bref. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Mais attention, je vous laisse une vidéo juste là. Cliquez juste sur cette vidéo-là. Ça va vous permettre de jailbreaker votre iPhone.